je suis bien contente de venir sur ta chaîne, ma chum. Mais regarde. Ben, je pense que ça va être mieux de même. Ouais. Ouais, hein? Fait que nous, on n'est jamais ensemble, dans le fond. Hein? Non, jamais. Je pensais que ça pouvait être intéressant de parler l'amitié, mais comme vraiment les amitiés qui restent dans l'âge adulte. J'ai préparé comme des petits points que je trouve que pour moi fait que c'est une amitié saine. Tu me diras qu'est-ce que j'en pense. Que je trouve quelqu'un qui aime genuinely les mêmes affaires que moi. Mm-hmm. Sans se forcer. Sans se forcer. Chaque année, on se fait tout le temps ça. On se fait souvent des journées aussi comme ça, mais. Genre, on va dans un chalet, on se fait de la bouffe vegan, on médite, on écoute de la musique, on se tire au tarot. Tu sais, il faut quand même le faire de trouver ton ami, tu sais, que vraiment, genuinely, est comme... On aime vraiment ça, on est excité de faire ça. Ça a l'air spécial, mais tu sais, juste de quelqu'un qui a zéro malaise. Mais oui, vraiment, les intérêts... Ben, c'est la base, là. Si t'as zéro intérêt avec la personne... Makes sense. Si t'as pas le même mode de vie pantoute aussi, c'est difficile de... Ouais, les valeurs. C'est savoir écouter, ça je pense que c'est le plus important. Ah, ça c'est ton préf. Moi aussi, là, mais c'est pas mon préf. Mais essentiel. Ah, essentiel. Écouter la personne, mais l'écouter, une écoute engagée. Là. Mm-hmm. C'est pas juste comme je t'écoute, mais je suis en train de penser à ce que je veux te raconter à la suite de ce que tu es en train de me dire. Que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui font, qui vont vite comme sauter à ah oui, mais moi. Mm-hmm. C'est vrai. Je trouve qu'on fait ça souvent, c'est comme je te laisse parler, puis si tu me demandes. Oui, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, je te le dis. Mm-hmm, c'est vrai. Jamais se sentir jugée, c'est dans mes tops aussi. Ça revient à être comme 100% soi-même, puis mm-hmm. sentir qu'on peut dire n'importe quoi à l'autre personne, puis qu'ils vont pas nous juger. Mm-hmm. C'est très bien dit. Je crois que c'est la base, c'est de pas juger. Ouais. Si j'arrive pour raconter une histoire à quelqu'un puis j'ai peur de dire certains détails ou je me dis ah, tu sais, je suis self-conscious, je trouve pas que c'est en béton. Tandis que exemple, si je prends notre amitié, mais je peux tout te dire puis je sais que jamais, pour vrai, jamais que tu vas me dire genre non. Puis si je suis pas d'accord, il y a des façons de se le dire, puis c'est jamais dans le jugement. Si on a quelque chose à dire, on se le dit. Oui, aussi. Oui, vraiment. Okay. On aime ça faire d'introspection. Oui, vraiment, c'est ça. C'est que ça, c'est une des choses qu'on a en commun. Ouais. Fait qu'on a on peut avoir une discussion super profonde, puis on s'amène des points, mais c'est quand même, faut pas être susceptible de ce que l'autre va te dire, parce que c'est tout le temps constructif, mais quand même, c'est super honnête d'être capable de dire les vraies choses pour que l'autre advienne une meilleure personne, puis tu l'aides là-dedans, là, dans son cheminement. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de relations que... Les gens accumulent des frustrations, mm-hmm. puis après, c'est ça, ça devient malsain. Ouais. Nous, on en a déjà eu des discussions là-dessus. S'encourager mutuellement. Ah, ça, c'est mon point préféré! OK, fais-en. Je trouve que ça change tout. Moi, c'est vraiment mon point en amitié. Dès que je sens qu'il y a de la jalousie, de l'envie. Ah, ouais, non. Je vois vraiment ça comme ça. De moi, exemple, si on prend le succès. Ou tu sais, moi, je suis célibataire. Sam est mariée, elle va se... Tu sais, dans le sens que je pourrais me dire... « Ah, oh, je suis toute seule » ou... Tu sais, en tout cas, c'est deux réalités différentes. Mais moi, ça changerait à ma réalité que mon amie, elle soit super heureuse. Tu comprends? Mm-hmm. Ça me rend pas plus malheureuse. Tu sais, ça change rien. Fait aussi bien être super contente pour l'autre puis l'encourager tant qu'à ruminer dans mon coin. Tu sais, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je vis pas, là, puis que je trouve important. Tu sais, si je savais que ça te faisait chier, que moi, ça va bien dans ma vie, ben j'aurais pas envie de t'en parler, tu sais. J'aurais pas envie de te confier que... Ouais. J'ai un succès. C'est mon point. Bref. C'est aussi que, mettons, Gaëlle, il arrive de quoi de vraiment heureux ou que vraiment nice, que moi aussi, j'aimerais ça que ça m'arrive. Oui, c'est ça. C'est ça. Mettons, c'est là que c'est struggle-là. C'est là. Ça, oui. Je pense que, oui, ça me ferait comme « Ah, mais ça serait pas envers elle, nécessairement. Ça serait envers comme « Ah, tu sais quoi? Ça me donne envie de me pousser encore plus. » Ça va juste comme me donner ce drive-là de me pousser plus. C'est comme plus ça loin. Qu'il faut le voir, sérieusement. Ouais, puis je suis encore plus fière d'être son amie parce que je suis comme... Ouais, mais moi aussi. Ouais, moi aussi, genre, c'est ça. Nice, mon amie. Je vais m'entourer de monde que je trouve nice. C'est ça. Puis qui me pousse à aller de l'avant, puis pas qui me traîne en arrière, puis qui sort un boulet, puis que... Mais dernier point, moi, j'ai dit de s'entretenir. Ouais. J'arrête plus de bouger. Genre. Ouais, moi aussi. C'est trop facile de, comme, tomber dans le... Ah, j'ai pas le temps de voir mon ami. C'est comme dans toutes les relations, là, vraiment. Mm-hmm. C'est de pas prendre l'autre pour acquis. Moi, je trouve que c'est ça. Oui, c'est vrai.
c'est de vouloir tout le temps être là pour l'autre, puis passer du temps ensemble, comme n'importe quelle relation dans le fond. C'est vrai. Puis des fois on se le dit comme ah oh, là on se botte le cul, parce qu'on le sait qu'on a le goût de se voir, mais que c'est qu'on est paresseux. Oui. Je suis bonne en fin de semaine là. Ben on est depuis un bout on est vraiment. Non bonne. C'est vrai. On fait chacun notre tour. Il y a plus de comme c'est qui vient chez l'autre. Ouais. C'est comme. C'était comme à un moment donné c'était un peu une source de. Pas de conflit, là, mais ça, les deux, on était gossés. Ouais, on était gossés parce que c'était comme, bon, qui va c'est aller qui où? C'est qui va, là, ouais, c'est ça. C'est plus l'hiver qu'on a cette phase. Ouais, c'est vrai. Des fois, il faut se botter le cul. Ça ne tombe pas. Ça puis, on est comme, OK, là, on se force. Let's make an effort. Yeah, parce qu'on est bien, genre, bien dans notre pyjama. Ah oui, on est très casanière, notée. Puis on est bien tout seul. Oui, ça aussi, c'est vrai, ça. Ah, ouais. On n'est pas dépendante des autres. Oh! Ça, c'est vraiment vrai. Les deux, on n'est vraiment pas comme ça. Ouais. Non. Puis, aussi, je sais que tout le monde le sait, ça, mais quand même, on est là pour divulguer de l'information. des vrais, vrais amis, là, dans la vie, là, ça se compte pas sur une main. Tu veux dire, ça se compte sur une main? Oui, ça se compte pas sur deux mains, mais ça se compte sur une main. N'est-ce pas? Non, vraiment. Mais attends, j'avais d'autres choses à dire. Ah, vas-y, Mathium, vas-y. C'est quoi? Ah, je voulais juste dire sur la dépendance. Oh! C'est parce que j'allais dire, dans vie, si tu dépends des autres pour ton bonheur, s'il y a quelque chose... Oh mon Dieu, mais là, ça, on pourrait en parler ouais, longtemps! Il faut que tu trouves comme une façon d'être heureuse par toi-même, tout seul chez vous, dans ta chambre. Il faut pas que tu dépendes des autres pour ton bonheur. Les autres, c'est un plus. C'est un plus. Pour finir. Pour conclure. Pour conclure. Pour conclure. Voilà, on se complète tellement. des vrais amis. Je pense qu'en vieillissant, l'entonnoir d'amis, là. Oh mon Dieu! C'est ça part. C'est parce que quand t'es jeune, ado, t'en veux plein, t'es ouais. À l'école, t'es une gang. Mais comme plus tu vieillis, plus comme t'es choisi vraiment tes amis. Ouais. Puis il y a des gens que ça. Les chemins ils se séparent comme naturellement. Il y en a d'autres que. C'est ça. Faut comme. Il s'agit de se taire! Il faut que tu penses à quand t'as une bonne nouvelle ou une grande peine, c'est qui les personnes que t'as envie d'appeler? C'est que t'aimes. Dans le sens, ce qu'on partage, sûrement que la majorité des gens le pensent, mais c'est drôle. Ils savent, on vous apprend rien. Non, c'est ça, on vous apprend. On n'est pas là pour dire here's the messy. Mais on dirait que j'en vois pas tant souvent. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui met de l'énergie à mauvaise place. Ah, ouais, dans des mauvaises relations. Ouais, si tu te sens drainé après une soirée avec ton ami, il y a quelque chose, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment difficile parce que souvent, tu peux aimer la personne, mais c'est juste que vous n'êtes plus rendu à la même place. Ou tu ne sens pas que ça t'apporte, que c'est genre un échange. Ah, ça, c'est aussi. Ouais, ouais. Vraiment. T'sais, tu peux donner beaucoup, mais tu ne reçois rien. Tu ne reçois pas. Ou... Ouais. C'est là pour partager. Écoutez, YouTube, là, ça sert à ça. C'est un échange de partage, de connaissances, de... Oups. Je suis bien contente d'être sur ta chaîne. Subscribe, like. Subscribe, like, and leave a comment down below. Click here to subscribe. Et ça, tu le feras, hein? Oh, il est trop cool. On va filmer le petit pic-bois qu'on en a pu regarder. Hope it was interesting, guys. Ciao. Bye. Tu regardes. Regarde côté à quel côté, là.